Hey, salut à tous, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve pour mon 26e weekly vlog, mais avant toute chose, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Je vais te saouler, te donner le mal de mer, déjà tu vas partir en courant. Non, reste, let's go. This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 AM, I'm not even tired. Mais on a une petite feuille qui commence à s'ouvrir là, toute mignonne, toute belle. Par contre, j'avais pas vu, elle est un peu... Celle-là est un peu abîmée. Est-ce que c'est parce que je donne trop d'eau? Peut-être. Et puis bah elle, écoute, elle se déploie magnifiquement. Elle est très très bien, elle est très très contente. On est très 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 contents. Bon là, c'est le... ça là qui perd ses... Tu vois, ça perd ses trucs blancs. On commence un vlog un petit peu horticulture. Je vais te montrer les coquelicots et le cosmos. Ça a bien poussé, dis donc. Franchement, ça a bien poussé. Donc, je pense que je vais les rempoter d'ici une petite semaine. On va voir ça. Donc, voilà un petit peu l'histoire, vois-tu. Là, nous avons... Je sais pas si tu verras bien. Il faut que je remette un petit peu d'eau propre. Quoique après, hein, c'est censé être dans un étang. Donc, mais tu vois, là, peut-être avec le contre-jour... Oui, il y a un petit bébé qui commence à sortir. Donc, c'est très, très cool. Et puis, bah, maman, toujours, toujours canon, toujours très, très belle. Et monsieur le laurier rose qui me fait plein partout de fleurs, de boutons, de tout ce que tu veux. Donc, on est très, 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 très content. Et on est très content aussi parce que c'est bientôt les vacances. Donc, il y aura bientôt plus l'école juste à côté. Je t'ai même pas dit quel jour on était. On est le mardi 20 juin qui est censé, j'ai vu sur Instagram, être le jour le plus beau, le plus joyeux de l'année en miroir avec le Blue Monday qui est un lundi en novembre, en janvier, je crois. Donc, bon, on va faire en sorte que ce soit un jour joyeux. Par contre, comment te dire, je me suis pas maquillée aujourd'hui parce que déjà il fait trop chaud. Et puis on va shooter une vidéo avec Thomas cet après-midi. Donc, mais je ne t'en dis pas plus. Je t'invite à rester et à t'abonner et à regarder la vidéo de vendredi. Voilà, voilà. Je n'ai pas pris hier parce que j'avais pas envie. Écoute, c'est une bonne raison. Et pour continuer dans la mouvance du vlog de la semaine dernière, je n'ai pas envie. Voilà. Pas envie de te partager des choses et de te retrouver et tout ça, mais pas un peu vide, un peu voilà. Et par contre, vide mais en même temps rempli, je suis incommensurablement touchée et les messages que vous m'avez laissés pour l'instant, les commentaires que j'ai sous mon vlog du coup de la semaine dernière, c'est... Je suis très très... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci. vous dites des choses, vous voyez des choses, vous sentez des choses, vous ressentez des choses que moi je n'arrive pas à percevoir. Donc bah, peut-être qu'il faut vraiment que je me... Comment on dit? Que je me convainc. Me convainque. Je ne sais plus parler français. Je suis le premier mec à critiquer les gens qui font des fautes d'orthographe. Et de grammaire et de syntaxe et de vocabulaire. Et le type, à force de parler un franglais, il sait plus parler français, tu sais. Il faut que je m'en convainc. Que je m'en convainque. Faut que j'en sois convaincu. C'est comme, tu sais, quand t'étais à l'oral ou à l'école ou peu importe dans quelle situation. Merde, comment on dit ça? Tu cherches tes synonymes ou une autre façon de dire la chose. Bon, hein, voilà, c'est l'introduction de ce vlog. Il fait hyper chaud, je te raconte même pas. Bah, c'est tout. Voilà, il faut que je tourne mon playback of the week aussi. Ou alors je le fais demain. Je sais pas. Est-ce que je le fais aujourd'hui ou demain? Moi je sais pas. Et oui, du coup, ça. Je laissais parce que je me disais peut-être que ça pourrait faire un petit peu. Tu vois? Mais ça me plaisait pas. Et en fait, c'est pas un complexe, hein, quoique. Un de plus, ouh, plein de poils blancs partout. Bah écoute, en même temps, le monsieur il a bientôt. 39, enfin, je viens d'avoir 38, on se calme, on se calme. Mais, il pousse pas comme les autres, du coup, enfin, ça fait un peu hirsute, j'aime pas trop. Donc, écoute, là, j'ai tendu à 8 mm, je sais plus, 7. Enfin, bref, c'est plus court que ce que j'avais fait les dernières semaines. Voilà, voilà. C'était le point barbe.
le point barbu. Et je t'ai dit aussi dans... Il y a un ou deux vlogs, je sais plus. Bon, ça c'est moi, tu sais, je te dis des choses et puis en fait on les fait 6 mois après. D'ailleurs, j'espère que vous avez aimé la dernière saison de Desperate Balcony. Je voulais changer un petit peu la déco genre printemps et mettre plus quelque chose d'été. On fera peut-être ça du coup cette semaine. Vu que demain c'est le 21 juin, c'est le premier jour de l'été. Donc on fera sûrement ça cette semaine ou la semaine prochaine. Écoute, on verra bien. Mais voilà, je sais que je te l'ai dit et je n'ai pas oublié. Il fait vraiment trop chaud. Je me demande si je vais pas mettre un truc autrement. Oui, parce que du coup, bah, le look du jour, un short en jean, des Birkenstock. Tu as une vue vraiment fantastique. Un débardeur en dessous, un t-shirt comme ça, là, un trou, machin, tu vois ce que je veux dire, de chez Shein, et comme complexitude, tout ça, un gilet, enfin une veste, et je te donne la nausée, une veste sans manche, comme ça par-dessus. On n'aime pas, mais en même temps, on voit tout. Alors, bon, un peu. Bon, allez, je te laisse, parce que ça fait déjà quasiment 10 minutes que je te parle pour rien te dire, mais au moins, écoute, j'ai ouvert le vlog, et puis je t'ai un peu parlé, voilà. Peut-être que du coup il durera un petit peu plus que 5 minutes. Non, parce qu'en vrai, je dis ça parce que tout à l'heure, quand je me suis dit, il faut que j'ouvre le vlog quand même, je me suis dit, cette semaine il va pas durer très longtemps. Et tu vas voir, je vais quand même te faire un long métrage de 2h52. Mais ça, c'est moi qui ai le secret seulement. A tout de suite. Hey! Alors, du coup. How are you? Very good. Hi Thomas. Hi. Hi. Aïe, aïe, aïe. Donc YouTube, ce matin je t'ai dit des salades, en fait ce n'est pas aujourd'hui que nous tournons la vidéo promise, mais bientôt, ne t'inquiète pas, elle arrive quand même. Monsieur Thomas Rose ici présent, yo. Yo. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a d'ailleurs pas de vidéo sur sa chaîne cette semaine, je tiens à te... Sorry. Mais voilà, expérience capillaire. Tu te rappelles la dernière fois? Attends Thomas, je ne te vois pas comme ça. Ouh, on est vraiment sur un plan. Ah oui, avec la... Très très sympa. Enfin, voilà. Voilà. Ce n'est pas très... Non mais enfin, mais tu ne me respectes pas du tout. Bref, tu m'excuses, je te cadre pas pendant que je fume, comme ça on voit pas que j'ai une tête de con, tu vois. Oui, m'excuse. On va cadrer comme ça, c'est mieux. Je te disais, oui, il y a quelques semaines en vlog, nous avions tenté l'expérience du rose. Souviens-toi. C'était un échec. Ah bah ça n'avait pas marché. Non. Et là du coup on va décolorer pour espérer que ça marche. Voilà. On va décolorer toute cette chevelure. Cette réponse quelque part. Il y en a tellement beaucoup. Bah oui, il y en a trop. Eh ben, je te retrouve tout à. Nous te retrouvons tout à l'heure. Et on adore d'ailleurs la combinaison de tomates. Est très très beau. Merci. Ouais, c'était très beau, mais très très beau. Très quoi? Gros. J'ai pas pris ma pince. Ah si, j'ai pris ma pince. Très icolore, le même rose que la dernière fois. Hein, du coup, voilà. Je suis un peu Backstreet Boys comme ça. C'est bon, je rigole. Bah écoute, on est plutôt content, le coiffeur, oui, est content. Hein, content. Quel produit as-tu utilisé, Thomas? J'ai utilisé Guy Tang. Mais il a trop bu. Parce qu'il tangue. Voilà, placement de produit. Au 20 volumes. Et bah écoute, il en est très content. Et moi aussi, ça fait tellement longtemps YouTube que j'ai plus été blonde, si tu savais. Et maintenant, elle va être rose. Et maintenant, je vais être rose. Par contre, ce coiffeur est très 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 talentueux, mais il lave les cheveux à l'eau froide. J'ai cru que j'allais décéder. Bref, bah c'est parti pour le rose YouTube. Voilà. Go. Bon, écoute YouTube, on n'assume pas du tout normalement, mais là on assume la calvitie juste pour que tu vois, regarde la différence déjà de, comme disait effectivement mon coiffeur, mon copain coiffeur chéri, la différence entre la première fois, c'est que là on, il y a déjà quelque chose quoi. On est déjà sur quelque chose. On est vraiment sur un plan. Ah mais là aussi c'est vraiment de toute beauté. Oh hello, mercredi 21 juin 11h15, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que ça fait, moi je suis trop bien là, je vis ma meilleure vie sur le balconie. Non mais clairement c'est trop agréable, il y a de la chance quand même. J'ai un peu beaucoup de chance je dois dire. Santé, petit café, pourquoi encore une fois petit, on ne sait pas. Voilà, je suis trop content. Bon là du coup mes cheveux, j'ai les cheveux qui graissent assez vite la nuit, vois-tu. Donc je vais mettre du shampoing sec après, mais très content. Pour une première fois c'est vraiment très cool et c'est je crois, je suis même sûr, la première fois que j'arrive à avoir du rose dans les cheveux. Donc la décoloration de Guy Tang, si jamais, le mon coiffeur. Et bah on te la conseille, de ouf, parce qu'elle marche vraiment vraiment très bien. Je pense que la prochaine fois on va tout décolorer pour faire avoir que du rose. On va voir comment ça tourne. Bon après ça va pas tenir très longtemps, mais je vais peut-être acheter les trucs chez Action là qui durent plus longtemps. Je sais pas, on va voir. Continue à me suivre.
pour plus d'aventures avec Apida. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, 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 très chouette. Et ça tombe plutôt bien vu que c'est moi qui le porte, n'est-ce pas? Update, j'ai retrouvé le chargeur de ça. Et j'ai retrouvé la télécommande. Donc on aura une lumière en plus sur le balcon. Je suis trop content aussi. Il m'en faut peu, oui, absolument. Aujourd'hui, donc 21 juin, je me retrouve quelque part dans la jungle. Faites de la musique, donc trop bien. Je pense que je vais te prendre ce soir pour filmer un peu. Alors, je sais pas si ça sera avec mon téléphone ou avec la caméra. Donc, l'image, tu vois hein, de toute façon, quand je filme avec mon téléphone, l'image est moins bien. Il y a toujours le bruit de la cour, l'école. Et puis, je pense que cet après-midi, je vais continuer le montage de la vidéo que tu auras vue vendredi. Et sinon, encore une fois, merci pour... Bon, je te l'ai déjà dit hier, il y a quelques secondes pour toi. Mais merci pour vos retours, vos messages et tout. On n'est pas dans une semaine de ouf non plus, mais ça va mieux. Donc voilà. Mais merci encore beaucoup. Je te retrouve quand j'aurai une gueule un petit peu plus respectueuse et respectable. Bon, bah quand tu verras ce vlog, hein, ça sera passé plus longtemps, mais j'espère que tu vas bien faire la fête ce soir, que tu vas bien t'amuser. Et si tu n'aimes pas la fête de la musique, j'espère que tu passeras un bon mercredi soir quand même. Moi, c'est vraiment une fête que j'aime beaucoup, que j'adore. J'aime trop me promener dans la rue, tout ça, je sais pas. C'est toujours des bons souvenirs, la fête de la musique. Voilà, c'est tout. Allez, je vais finir mon café et on se retrouve tout de suite. Ah, et normalement, je reçois ma commande Temu, je ne sais pas, aujourd'hui, demain, après-demain. J'aurais aimé l'avoir aujourd'hui parce que j'ai commandé un débardeur, j'aurais aimé le mettre ce soir. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Et je pense, du coup, à la base, je voulais te l'inclure dans un vlog. Donc, celui-là, soit le prochain, ça dépend quand je recevrai. Mais tu auras certainement une vidéo en plus. Cette semaine, je ne pense pas, mais la semaine... Ah bah si, la semaine où tu regardes le vlog, il y aura certainement une vidéo en plus, peut-être mercredi. Je te dirai de toute façon sur Instagram, suis-moi sur Instagram. Mais je pense te faire une petite vidéo haul, il n'y a pas beaucoup d'articles, hein, mais petite vidéo haul, voilà, pour en faire une vidéo à part. Parce que j'aime bien quand même différencier les choses. Voilà. Donc, écoute, si ça t'intéresse, si tu veux voir ce que j'ai commandé, spoiler alert, pas grand chose, mais si tu veux quand même voir ce que je pense du site, tout ça, eh bien, reviens, abonne-toi, commente, like, partage, ça n'a rien à voir, mais ça arrive, bientôt. Yo! On se retrouve plusieurs heures après, là j'attends James, je l'accompagne à un rendez-vous, le temps me désespère. Il y a une heure, il y avait genre de l'orage et la fin du monde. Là, il fait 70 degrés, je suis en transpiration excessive, en plein soleil. Mais je vais pas mettre la clim, parce que quand même, la batterie, ça l'use, l'essence, tout ça, tu vois. Mais je comprends pas le temps. J'espère qu'il fera beau ce soir, parce que j'ai vraiment très envie d'aller à cette petite fête de la musique. Ça serait dommage qu'on puisse pas y aller, parce qu'il pleut. Après, y aller sous la pluie, franchement, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être... annulé, puis ça va pas être fun quoi, mais il fait trop chaud. J'ai pris avec moi cette œuvre. Vous avez été nombreux à me dire effectivement que soit vous le connaissiez déjà, vous l'avez lu, vous l'aviez chez vous ou vous ne l'aviez pas encore lu, etc. Donc moi je vais pas te parler très très longtemps parce que j'aimerais beaucoup avancer dessus. J'aime vraiment beaucoup, je te le redis, j'aime vraiment beaucoup. Comme je te dis hier, on va pas tourner la vidéo avec Thomas, mais on la tourne dimanche ou mardi. Je me réjouis trop que tu la vois et j'espère que ça va être bien. J'ai acheté des petites choses qui me manquaient pour la tournée hier, donc je me réjouis trop et je pense que ça va être une très jolie manière de clôturer ce mois des fiertés qui, le jour où je publierai la vidéo, normalement ça sera le dernier jour du mois, je crois le 30 juin, il me semble, vendredi prochain. Déjà, c'est passé tellement vite, c'est passé si vite. Et il y a encore tellement, j'ai bugué mon œil. Il y a encore tellement à faire en termes d'acceptation, en termes de tout ça. C'est comme on disait justement dans l'ancienne vidéo avec Thomas, de la semaine dernière, même dans le milieu, il y a de l'homophobie et ça y... C'est compliqué, comment tu veux demander la tolérance et tout ça si même dans ton milieu à toi, enfin ton milieu, même parler de milieu en fait c'est finalement homophobe, tu vois, mais même si t'es les personnes comme toi, on va dire, le milieu, même si dans le milieu on est homophobe, c'est compliqué. Comme je te disais, il y a plein de choses dont j'avais envie de te parler dans cette vidéo et je m'en suis rendu compte en fait au montage, mais peut-être du coup qu'on en parlera dans la prochaine avec Thomas. Mais voilà, en tout cas je tiens encore une fois à vous dire à quel point je suis reconnaissant et touché, et en même temps ça m'étonne pas de l'intelligence de mon audience, de vous,
Non, c'est merci, merci beaucoup. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et je me dis que finalement tout n'est pas perdu, tu vois, qu'on va y arriver. Bon, par contre, là, je te cache pas qu'on est toujours dans la même ambiance que la semaine dernière. C'est-à-dire que clairement, je ne me supporte plus du tout. Je me trouve hideux, moche, dégueulasse. Et c'est mon vlog, je dis ce que je veux. Et je dis pas ça pour qu'on me dise en commentaire, mais non. Mais là, non, ça va pas du tout. J'aime pas du tout ce que je vois. Et en plus, il fait chaud, je me sens pas bien. Voilà, bref. Bienvenue dans mon monde. Et bah c'est tout, hein, je vais bouquiner, du coup je vais dire en attendant James. Et puis j'espère, je croise les doigts, te reprendre ce soir pour la fiesta. Pour la fête de la musique qui a été instaurée dans les années 80-90, je ne sais pas, par Jack Lang, donc ministre de la culture à l'époque. Et voilà, c'était le point culture du vlog, le point historique du vlog. Il fait vraiment trop lourd. En fait, il aurait fallu qu'il continue à pleuvoir, genre, et que ça rafraîchisse de plusieurs degrés, quoi. Oui, je sais, j'ai une veste en jean, mais il n'y a pas de manche, et tu vois, genre, ça respire. Vois-tu, c'est de la résille. Ah, d'ailleurs, en parlant de résille, ça n'a rien à voir, mais par rapport à ma commande, j'ai pas encore reçu. James m'a fait une petite blague tout à l'heure, en sonnant à l'interphone, il a dit c'est le facteur, donc moi j'ai descendu, trop content. Bah, c'était James. Bah, j'étais content aussi. Mais du coup, moi j'attendais ma commande. Dégoûté. Peut-être que là, elle est arrivée, j'espère. Je croise les doigts. Sur l'application, ça dit que c'est livré au plus tard aujourd'hui. Alors que de base, c'était du 21 au 26. Mais là, l'application me dit livré au plus tard aujourd'hui. Voilà. Dis-moi, toi, si t'as déjà commandé sur ce site dont absolument tout le monde parle. Genre sur YouTube, il n'y a que de ça en ce moment. Et puis, bah, je me réjouis d'ouvrir mon colis. Et peut-être, effectivement, après, du coup, de te tourner le hall. À voir. J'espère. J'ai chaud, c'est horrible. Je crois que je vais m'éponger un peu là. Je peux avoir du sopalin dans le coffre. Je vais m'éponger. Quelle idée aussi de se make-uper alors qu'il fait 70 degrés. Enfin, Nicolas, ça ne va pas. J'ai chaud partout. Allez, je pense que je vais chercher un coin à l'ombre en fait. Hein. Ça peut être intelligent. Ça peut être très très intelligent. Oui, madame, je parle à ma caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. On est en 2023, madame. Bref. Allez, à toutes. Mouah. Bon, donc du coup, ce qui n'était pas prévu, voilà, tu vois où je suis, j'espère que tu m'entends bien. On s'est dit, bon, allez, c'est mercredi, tu vois, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dance. Et Lélé. Bon, alors, c'est toujours pas la patte, mais je te l'ai dit ou pas, je m'en rappelle plus si je te l'ai dit que tu m'en avais, ta maman m'avait envoyé, je crois pas. Enfin bref, la mère de James, salut madame, merci beaucoup. M'a envoyé de la pâte, donc trop content, et puis aussi un spray, donc trop content, et il y a la lessive. James, tu apparais dans les vlogs. Salut. Il y a de la lessive, les gars. Donc on a pris les trois derniers pots. Oui, nous on fait comme ça aussi, absolument. James me disait, donc c'est la version couleur, la version blanche est top, il paraît, et ça, a priori, sur internet, ça coûte genre une quinzaine d'euros, et là c'est à 4,95€. Donc je suis très très content. Voilà, je voulais te partager ça. On va... C'est parti, on va faire des lessives. Bonjour vous. Salut. Salut, dis bonjour à tonton. Bah ouais, c'est mieux d'aller sentir les odeurs là-bas. Hein. Bah ouais, évidemment. Salut bébé. Ah, ça fait longtemps. Oh là. Ah, tu me donnes le tournis. Listen to the midnight radio. We can drive through the
encore un jour se lève sur Radio France. J'espère que tu vas bien. Moi, je bof, hein, toujours. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Je t'ai un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu filmé les images que tu viens de voir, la fête de la musique hier soir, parce qu'il n'y avait rien à filmer. C'était il y a les travaux en fait dans la rue principale de Divonne, et je trouvais que du coup c'était moins bien que d'habitude. Mais j'ai passé quand même une bonne soirée avec Chéri et les copains, donc c'était cool quand même. Mais voilà, j'étais moins filmé que ce que je pensais. Je te laisse maintenant tout de suite avec des images, toutes petites images aussi, d'une promenade que j'ai faite au bord du lac avec une de mes anciennes collaboratrices et son chien qui a fini dans l'eau. Donc bah, c'est les images que tu vois tout de suite, et on se retrouve nous juste après. Donc voilà, là il est 12h40, je suis rentrée, je me fais cuire un peu de riz parce que j'ai un peu faim. Et j'ai reçu ma commande Temu. Je suis trop content. Je l'ai déjà ouverte, hein, mais bon je te la présente, je vais tourner un haul après. Enfin déjà je vais me redoucher, puis je vais un petit peu m'apprêter parce qu'on n'aime pas du tout sa gueule quand même. Histoire que je te respecte un petit peu quand même, tu vois. Bon alors tu vas me dire en vlog, je respecte pas, mais... Mais voilà, donc je vais tourner la vidéo, elle sera courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses et il y a des petites déceptions. Mais tu verras ça, je pense, mercredi. Je pense que je vais la mettre en ligne mercredi. Donc tu verras ça très très vite sur ma chaîne. Donc je vais tourner ça, ensuite je vais finir le montage de la vidéo de vendredi dernier. Et puis voilà quoi, la journée va se passer, il fait... À mon avis ça va péter là, à mon avis là ça va péter. Et puis voilà. Voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est clairement la journée météo, quoi. Je te prends, YouTube. Salut, je suis là. Je suis en train de fermer les fenêtres. Les sont fermées pour rester dans la oscuridad et garder... Mais enfin, Nicolas, c'est ridicule. Je vais déjà fermer, là. Bienvenue dans le dressing. pour garder, du coup, la fraîcheur, tout de même. Mais là... Ça va nous tomber sur la gueule. Je te disais, oui, ce matin, orage. Ah bah non, peut-être pas. Le voisin a laissé sa fenêtre ouverte avec les volets et le rideau. Alors ça va être trompé, monsieur. J'ai déjà perdu une fausse... un fouineau, j'avais mis là. Et lui, je crois qu'il va pas là. Bon, bref, c'est pas grave. Là, c'est ambiance de fin du monde. Ambiance de fin du monde, je préfère te dire quelque chose. Ça va nous tomber sur la gueule. Clairement, je peux pas te montrer, parce que je peux pas te montrer la résidence non plus, hein, je veux dire, à un moment donné on va se calmer, mais tu dois peut-être entendre. Je vais ranger les coussins. J'ai bugué. Oula. Oui, tu vas entendre. Rangeons les coussins YouTube avant qu'on s'envole. L'orage est passé. Est-ce qu'il repassera par là? Est-ce qu'il ne repassera pas par là? On ne sait pas. Alors, par contre il fait toujours 25 degrés à l'intérieur. Je suis en train de finir le montage de la vidéo de vendredi. J'espère que je l'aurai mise en ligne vendredi. Ma wishlist du coup elle est hyper longue à monter. Je l'ai tournée maintenant vendredi dernier en me disant ouais comme ça j'aurai de l'avance et tout. Mais que nenni. Bon après j'avoue que cette semaine j'ai pas été très professionnel là-dessus. Mais elle prend grave du temps parce qu'en fait il y a plein d'incrustations photos à mettre. Voilà. Et puis faut que je mette à jour aussi ma boutique Amazon. Bah oui, parce qu'il y a certains articles qu'il y a dans ma boutique. Enfin, dans ma boutique, c'est pas ma boutique à moi, hein, mais c'est genre, je mets lien Amazon, quoi, voilà. Donc il faut que je le fasse aussi. J'ai allumé la bougie Woodwick, la Coastal Sunset, le coucher de soleil, qui m'a été offerte à mon anniversaire. Attends, je te montre. Voilà, je trouve que ça va très très bien avec l'ambiance un petit peu apocalypse de cette fin de journée. Voilà, c'est tout. Si jamais fais-moi penser, la prochaine fois que je fais une wishlist en vidéo, de commencer le montage plutôt et d'être plus professionnel quelque part. Oh là là. Bon, allez, on monte un petit peu ensemble. Tu m'aides? Tu fais enfin ensemble? Allez, let's go. Night Oil, il me semble que c'est ça. Il m'en reste encore un tout petit peu. Je l'économise comme Jaja. Listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. We can drive through the night. Oh, I wanna wait all night.
YouTube vendredi 23. Oh. Je regarde la date et puis je tombe sur cette photo de mon bébé d'amour. Mon petit bébé d'amour. C'est chiant les souvenirs photos comme ça sur, sur Facebook ou sur même ton téléphone maintenant, il te rappelle. Mon bébé, il était tellement beau. Oh mais regarde ça comme il était beau. Bon là tu vois pas grand chose peut-être mais. Oh, mon petit cœur. Sur un fond de. Il manque tellement. Bref, c'est tout. Sur un fond de... Comment ça s'appelle? Mais. Je ne sais plus ce que j'ai. D'école. Update. Update du balcon. Oui, je sais, vous êtes nombreux à attendre des nouveaux épisodes de notre série préférée, quelque part. Mais n'est pas bien, c'est le chéri. Nous avons, regarde, des petites pousses. Oh là là, c'est tellement, tellement mignon. Tellement mignon. Et ça, pareil, bah, ça pousse bien. Je pense que je vais les rempoter la semaine prochaine. Je pense que je vais faire ça. Ouais, la semaine prochaine, ou tu sais, moi. Prochaine, ou on ne sait quand. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire que je sois la personne la plus fidèle dans les emplois du temps qu'il te donne. Le rose est quasiment tout parti, mais bon, c'est pas étonnant parce que, effectivement, c'est, ça tient pas. C'est pas français, mais t'as compris. Mais par contre, le blanc, je le trouve très très joli. Merci encore, Thomas. Merci, mon Thomas. aujourd'hui, bah, pour changer de ces deux semaines à thème pas le moral, hein, voilà, voilà. Mais on ça s'arrange. Enfin, ça s'arrange. On essaye de toujours avancer plus et plus. Et puis, je veux faire un gros bisou à une légende qui se reconnaîtra. Voilà, je t'embrasse plus que fort et toi-même, tu sais. Ah bah, je vais préparer mon post pour la vidéo de vendredi sur Instagram. Comme ça sera fait, ça va se publier à 19h tout seul. Et je vais continuer le montage de ma vidéo Temu qui arrive mercredi pour toi. C'est très drôle parce que du coup, je fais le montage de la vidéo qui est après cette vidéo-là que tu regardes que j'ai pas encore commencé à monter. Mais bon, le vlog va jusqu'à dimanche, donc j'ai le temps. Et voilà, et j'ai plus de batterie, donc je vais encore une fois... cordialement faire un mag. J'espère que tu vas bien, ce vlog n'est pas vraiment de toute intéressance, mais bon, en même temps, hein, j'ai envie de te dire, si j'ai rien à dire, je vais pas t'inventer des choses, des activités et des choses à dire si clairement il ne se passe rien. Samedi 24 juin, je viens faire la conclusion de ce vlog qui aura été vraiment passionnant. Je sais même plus ce que je t'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé. C'était pas une semaine de ouf, clairement, on va pas se mentir, mais écoute, voilà, c'est, on va pas travestir la vérité et on va pas s'inventer des activités ou des choses à inventer. tout simplement. Comme tu peux le voir, il y a plus de rose, mais comme je te disais, le blond est très 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 joli et ça me fait vraiment beaucoup de bien de revenir à un peu du blond. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, donc je suis très 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 content. Merci encore Thomas. Et bah voilà, c'est la conclusion. J'espère néanmoins que ce vlog t'a plu. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'avais à dire. Je conclue là aujourd'hui parce que demain nous tournons une vidéo pour la vidéo de vendredi. J'ai très très hâte de la tourner. J'espère que ça va rentrer bien. Il va y avoir beaucoup 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 de montage, mais écoute, voilà, c'est j'ai trop envie avec un P. C'est mieux si on fait la liaison correctement. Petit look du jour, bah écoute, un débardeur, tout ce qu'il y a de plus simple. Une petite chemise et puis un short en jean. Voilà voilà. On se retrouve mercredi pour mon haul Temu. Donc trop hâte aussi de te partager ça, faut que je finisse le montage d'ailleurs. On se retrouve lundi prochain, vendredi pour ma vidéo du vendredi, on va y arriver. Et lundi prochain pour mon prochain weekly vlog. Là tu vas bouffer des addictions, hein. Clairement on va se retrouver très très souvent la semaine prochaine. Pour l'émoticône de ce vlog fantastique, je ne sais plus si on l'a déjà fait, il me semble. Mais c'est pas grave, on le refait. L'émoticône montagne russe. Ça correspond tout à fait à... Je trouve que ça correspond bien à ces semaines. En attendant, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!